Bienvenue. Pourquoi est-ce que quand je me mets comme ça, j'ai tellement une tête, mais de... Je dirais pas de quoi. Donc là, je viens de me réveiller. Il y a à peine... Quelle heure il est ? Je sais pas par où commencer en fait, tellement que j'ai envie de dire deux choses. Déjà, j'ai envie de vous dire merci. On entend la machine de ma mère, je crois. C'est pas grave. Merci à tous pour l'accueil que vous avez fait à mes vidéos ASMR. D'ailleurs, mes dernières vidéos, en fait, tout simplement, c'est... Je suis vraiment ravie, enjouée. Vous pouvez pas savoir ce que ça me fait que de lire vos commentaires à chaque fois. C'est juste ouf. C'est peut-être rien pour certains, mais moi, c'est... Enfin, de voir que je passe du temps à faire quelque chose qui me plaît et que vous êtes derrière à aimer, même si ça reste des vidéos qui sont... pas commune, c'est pas des trucs que l'on voit beaucoup beaucoup. En fait, quand on connaît pas du tout l'ASMR, d'ailleurs, on se dit juste cette meuf est juste barjo. Mais pourtant, j'avais tellement peur de la poster cette première vidéo. D'ailleurs, sur ma première vidéo, c'est l'ASMR make-up. Et quand j'ai vu que ça vous a plu, ben ça m'a juste boosté et ça me donne tellement d'idées. Donc en fait je vais commencer juste par ça. Déjà sachez que pour l'instant et jusqu'à ce que mort s'en suive, non pas du tout, toutes les semaines il y aura le vendredi à 18h une nouvelle vidéo ASMR, comme ça vous aurez tout le week-end pour pouvoir en profiter et même la semaine, hein. Mais bon voilà, donc tous les vendredis il y aura une vidéo ASMR et là déjà le programme pour le mois d'octobre est fait. Je sais exactement ce qui va être publié et j'espère que ça va vraiment vous plaire. En tout cas, les dernières vous plaisent et je suis super contente. Je suis ultra excitée aussi pour Halloween qui arrive parce que c'est une de mes fêtes préférées avec Noël. Après, tu vas me dire, mais il reste quoi? Mais il y en a encore plein, il y a Pâques, etc. Mais Halloween, c'est juste une de mes fêtes préférées. Et j'ai eu une idée et tu n'es pas prêt. Et je vais kiffer la tournée. Je ne l'ai pas encore tournée, mais punaise. Mais voilà, non, elle va être vraiment cool. Enfin, j'espère qu'elle va vous plaire aussi. Et du coup, j'ai décidé, donc comme je vous ai dit, il y aura une vidéo ASMR sur ma chaîne tous les vendredis. Et beaucoup de choses vont se passer cette année dans ma vie. En gros, la semaine prochaine, je pars vivre à Londres. Et du coup, c'est pour ça que je commence cette série de vidéos maintenant. Donc pour toi il est lundi et en fait j'ai décidé de, même si pas beaucoup de personnes vont peut-être voir mes vidéos ou j'en sais rien tu vois, mais j'avais envie de publier en fait une vidéo tous les lundis sur ma chaîne qui retrace en fait ma semaine, donc mes moments volés de la semaine. Donc tous les lundis il y aura normalement une vidéo comme ça. Punaise, j'avais oublié que ça faisait mal au bras de tenir ce truc. Donc toutes les semaines... Super, pour étendre. Toutes les semaines, il y aura, du coup, tous les lundis, une vidéo qui reprendra, super, le nez qui coule, qui reprendra tous mes petits moments de la semaine, comme un vlog, en fait, parce que c'est un petit peu un vlog, mais comme on dit aussi les weekly vlogs, tu sais, qui reprennent toute la semaine et tout. Et donc, je la commence maintenant, parce que c'est une semaine avant mon grand départ. Je suis ultra stressée, et même pour moi, j'avais envie de garder ces moments... pour plus tard en fait, et me revoir en fait, parce que pour moi c'est un grand changement. Enfin je pars de la France, je laisse tout le monde derrière moi et je suis pleine d'émotions, mais je suis sûre que tout va bien se passer et je suis contente en fait de vous embarquer avec moi et voilà, de vous montrer un petit peu ce que je vais vivre, comment ça va se passer et voilà. Donc en gros, le vendredi une vidéo ASMR, le lundi du coup ma semaine qui sera retracée et parfois il y aura les bonus du mercredi. Donc le mercredi une vidéo qui sortira, ça pourra être une vidéo, donc ça sera normalement pas de l'ASMR, mais si j'ai envie de refaire une vidéo ASMR, pourquoi pas, mais ça pourra être aussi... par exemple, j'en ai une qui va sortir, ça sera une vidéo sur mes vacances ou une vidéo... En fait, vous avez peut-être compris ou pas, mais sur ma chaîne, je publie vraiment des choses qui me plaisent. Donc ça peut être tout et n'importe quoi. Je m'enferme dans aucune catégorie, en fait. Et donc, du coup, le mercredi, c'est si j'ai envie de faire une autre vidéo, de parler d'un truc qui m'intéresse. Par exemple, je suis en train de prendre Roaccutane, voilà, entre autres. Et donc, le mercredi, je pourrais, par exemple, faire une vidéo, si ça vous intéresse, pour retracer un petit peu mon parcours avec l'acné. Parce que, bon, tout dépend de la lumière, mais voilà. Donc voilà, je suis excitée, je suis contente, ça va être du travail hein, de faire autant de vidéos, mais j'ai vraiment vraiment envie et quand je vois que vous êtes, enfin qu'en tout cas les vidéos ASMR vous plaisent, qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Ah oui,
Je voulais parler aussi. Non, mais je sais pas si je vais en parler de ça. Je sais pas. Je vois beaucoup en fait dans les commentaires que ça. Beaucoup se posent la question sur mon nombre d'abonnés. On m'a même demandé si j'avais 9 millions d'abonnés. Et en fait, ça me fait juste rire de voir ça. Je pensais pas que ça poserait autant d'interrogations de cacher le nombre d'abonnés. Comme je l'ai expliqué, en fait, comme ça c'est dit une fois pour toutes, je ne les montre pas parce que je veux pas que l'on juge. On change de bras. Je veux pas que l'on juge une chaîne par rapport au nombre d'abonnés parce que peut-être que même moi je pourrais le faire, mais c'est vrai que quand tu vois une chaîne qui a par exemple 10 abonnés ou j'en sais rien, et pourtant ça change pas que le contenu va peut-être être cool, et peut-être que comme tu vois qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés, tu te dis bah ce qu'elle va faire c'est pourri, tu vois. Et donc en fait c'est surtout par rapport à ça, et puis en fait c'est même pas, en fait je me suis même pas posé la question en me disant ouais je vais cacher mon nombre d'abonnés comme ça, non en fait je l'ai juste pas montré et stop et fin, enfin ça fait je sais pas combien de temps que ma chaîne existe, mes abonnés n'ont jamais été montrés et ça change rien. Si tu aimes ce que tu vois, ça ne change normalement rien. Mais je me suis fixé un petit palier. Et à partir de ce palier, je ne te dirai pas combien il est. Et j'espère y arriver. J'ouvrirai en fait le nombre de mes abonnés. D'ailleurs, je vous montrerai exactement combien j'en suis. Et vous verrez que je ne suis pas à des chiffres astronomiques. Je ne suis ni à 9 millions d'abonnés, ni à je sais plus combien j'ai lu. Les gars, si j'avais autant d'abonnés, vous pensez vraiment que certaines de mes vidéos tourneraient à 200 vues? Ou alors, faut se remettre en question, quoi. Donc voilà, je voulais en parler sans vraiment en parler. Je trouve ça vraiment mignon, en fait, que ça vous intéresse. C'est même pas... Je sais que c'est pas méchant ou quoi que ce soit. C'est même limite... pas flatteur, mais ça veut dire que ça vous intéresse quand même de savoir... Enfin, j'espère que c'est dans cette démarche-là, de savoir combien de personnes me suivent. Voilà, je le dis jamais aussi, mais si vous voulez me suivre aussi différemment, j'existe aussi sur Instagram. Je vous mettrai mon nom par là. Oh là là, qui tête. C'est le même nom, de toute façon c'est Extramandine. Voilà, je poste des photos régulièrement, je parle de trucs différents. Enfin, ouais, c'est plus pour les photos, enfin, j'aime beaucoup Instagram. Je le dis parce qu'on m'a demandé où est-ce qu'on pouvait me joindre aussi, donc il y a Instagram où je réponds aussi à tous les commentaires. Facebook, je publie, je suis pas trop active, je regarde en fait tout le temps, donc je vois quand vous m'envoyez un message ou quoi que ce soit, mais j'arrive pas trop à lui, enfin je sais pas, est-ce que vous êtes sur Facebook, vous trouvez que c'est intéressant d'être aussi sur Facebook, je sais pas. Je relais mes vidéos en fait quand elles sortent surtout, c'est surtout ça que je fais sur Facebook. Twitter, j'y suis jamais. J'ai mon truc, mais je ne comprends pas le principe de Twitter, j'aime pas du tout ça. Et Snapchat, pour l'instant, il est fermé. J'ai un Snapchat, mais pour l'instant, il est ouvert que à ma mère et mon père, en fait. C'est tout. Non, pour l'instant, Snapchat est pas... C'est pas un Snapchat public, mais peut-être que je l'ouvrirai. Parce que c'est aussi une autre facette de moi, mais une facette un peu plus folle, et je sais pas si vous êtes prêts non plus. Bref, je suis vraiment contente en tout cas de vous retrouver et de vous parler directement comme ça, parce que c'est vrai que ça fait quelques temps que j'ai pas fait de vidéo où je parle directement sans chuchoter. Et voilà, donc j'avais vraiment tout ça à vous dire. Et puis de toute façon, je vous retrouve tout au long de la semaine, peut-être même tout au long de la journée et tout au long de... Voilà, tu as compris. Donc bon lundi à toi, parce que c'est lundi aujourd'hui. Et on se retrouve très vite. Putain, tu m'as fait peur! C'est pas possible hein, d'avoir autant d'habits. Coucou! Aujourd'hui nous sommes mercredi, je n'ai pas filmé hier parce qu'il n'y avait rien d'intéressant si ce n'est moi en pyjama en train de bader devant ma valise que je devais faire et que du coup je n'ai pas fait. Donc aujourd'hui j'avais envie de prendre la caméra parce que je vais faire... Oh là là Amandine, arrête de filmer comme ça, franchement c'est affreux, je suis désolée. Je vais en fait, rien d'excitant, attention, à la pharmacie. C'était la famille. Je vais faire une trousse de toilette pour mon départ à Londres, comme je vous ai dit hier. C'est accroché. Ça me rassure de savoir que je vais avoir mon petit confort, etc. Vous allez dire, la meuf, elle a un confort niveau médicaments. Désolée. Genre Doliprane, Nurofen Femme, les trucs comme ça. Franchement, une fois là-bas, j'ai pas envie de... Si j'ai mal au ventre, et je sais que je vais avoir mal au ventre. Si tu es une fille, tu sais de quoi je parle.
J'ai envie d'avoir les trucs que j'ai besoin. Comme vous pouvez voir juste ici, j'ai un gros bouton. Bon, on va essayer de passer outre, d'avancer dans la vie, quoi. Je vais mettre mon fond de teint. T'as vu un petit peu le... J'ai l'impression qu'à force de faire des vidéos ASMR, j'ai des tocs et À chaque fois que je prends un truc, je suis là, je gratte et tout, j'écoute le bruit que ça fait, tu vois, là je suis en train de faire ça. Amandine, redescend. Je me suis repris en fait mon fond de teint Estée Lauder, mais en version beaucoup plus light. Bah d'ailleurs il s'appelle comme ça je crois, voilà. Double wear, light. Donc c'est, pour moi c'est un de mes fonds de teint préférés. Et son grand frère, celui-ci là, celui qui est connu en fait, le double wear le plus connu en fait. Et là j'avais envie d'un truc un petit peu plus léger. Ouais, je l'applique avec les doigts. Oh, putain, par contre j'ai vraiment la peau sèche là. Il faut que... J'aurais dû mettre une crème hydratante. N'importe quoi, en plus je le dis à chaque fois. D'abord mettre une crème hydratante et là voilà. Qu'est-ce que je vous disais? Ouais, donc du coup, pharmacie, je vais faire ma petite liste là, mes essentiels pharmaceutiques. Après, qu'est-ce que je vais peut-être manger dehors avec ma mère, certainement même. Et puis continuer comme ça, on est déjà mercredi. J'ai envie de te dire, ça me stresse de voir qu'il est déjà mercredi quoi. Ça passe trop trop vite. Allez, j'ai faim, mon ventre. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas entendu. J'ai fait, je me suis avancée sur mes vidéos aussi, hier j'ai chargé, normalement la vidéo ça sera déjà sortie quand vous verrez cette vidéo là. C'est les 1 heure de roleplay, si tu l'as pas vu je te la mets juste ici. Où en fait j'avais envie de faire cette vidéo, j'avais vraiment envie de faire une longue vidéo avec un de mes bruits préférés en fait en ASMR, c'est quand on te brosse les cheveux. Et moi ce qui m'endort vraiment c'est quand on est... les temps de pluie, etc., ça m'endort grave. Du coup, j'ai eu envie de mélanger les deux délires, tu vois. J'espère que ça va vous plaire parce que c'est aussi un petit peu pour vous remercier de l'accueil que vous faites à toutes mes vidéos de ce genre-là. Et voilà, j'avais vraiment envie de la faire, cela. Rien que pour la charger, petite anecdote. J'ai mis 48 heures avec la connexion de mes parents. 48 heures non-stop. Alors, voilà, vous avez vu cette coiffure ou pas? En fait, je me suis fait un bain d'huile. Mes cheveux sont remplis de graisse, là, de huile de jojoba. Et j'ai pas encore... Je me les suis pas lavés. Du coup, je les ai attachés en chignon. Mais je trouve que cette coupe va à tout le monde, sauf à moi, en fait. Les filles, quand elles se font ça, tu sais, ça fait un joli beau chignon et tout. Moi, ça fait la coiffure d'un sumo. Enfin, c'est dégueulasse. Je suis vraiment bidon en coiffure. C'est un truc de fou. Je vous retrouve tout à l'heure, de toute manière, pour vous montrer ce que j'ai pris à la pharmacie. Super intéressant, hein. Oh, on est toujours mercredi. Et il est 15h, je viens juste de rentrer. Vous êtes posée, voilà, sur une pile de coussins. Donc j'espère que c'est assez stable. Oh, ferme la porte. Que c'est assez stable et que vous êtes confortable. Non, bah je voulais vous montrer un petit peu. Donc ça y est, j'ai fait mes achats avant de partir. Je vais pas vous montrer ce que j'ai acheté niveau médoc et tout, parce que je pense pas que ce soit très intéressant que je vous parle de Doliprane et de Nurofen. Je vais vous montrer ce que j'ai pris niveau soins. Enfin, soins, produits que j'achète tout le temps en France. Dans les parapharmacies, etc. Donc déjà j'ai repris mon gel nettoyant. Vous avez vu, je vous l'ai dit que j'avais un toc maintenant. Mon gel nettoyant Aven, donc le Clinance. J'ai pris le gros, je l'adore. Voilà, c'est vraiment mon chouchou. Ça faisait longtemps que je l'avais plus utilisé parce que j'ai beaucoup utilisé Minimoise. Je vous en ai déjà parlé dans une autre vidéo concernant l'acné, etc. Sauf que là, avec mon traitement, j'ai la peau qui va de plus en plus se dessécher. J'ai vraiment pas besoin d'un soin lavant à base d'acide, je sais plus quoi, là. Donc ça va trop être fort pour ma peau. Donc je reviens vers mes essentiels. Tu es mon essentiel. Ma plus belle année. Je sais pas pourquoi chaque mot me fait penser à une chanson. Donc voilà, Aven, Clinance, c'est juste la base. Oh, j'adore les petits trucs comme ça. Ensuite, j'ai pris... Where are you? Je m'entraîne. Mon baume que j'utilise, vu que là-bas, on est... Super, je vous le montre à l'envers. Vu que là-bas, il va faire assez froid et que je vais avoir les lèvres ultra desséchées. Je sais pas pourquoi je prends cet accent pourri.
Bah, je me suis repris un deuxième tube de ceci. Donc c'est un baume ultra hydratant. Il a une texture bien... je sais pas si vous voyez, on dirait un peu de l'homéoplasmine, mais en baume en fait. Bien grasse et ça garde bien les lèvres hydratées en fait toute la journée. Ok, je suis en train de péter les plombs. Donc du coup, je m'en suis pris un deuxième pot. Une crème hydratante, donc on voit rien. J'ai pris la Cleanance Hydra de chez Aven. Donc c'est une crème qui est conseillée quand on prend un traitement desséchant pour l'acné. Du coup, c'est ultra hydratant. Je la connais puisque je l'ai déjà utilisée avant. Et ensuite, j'ai pris un masque hydratant de chez La Roche-Posay. C'est pareil. Normalement, je fais toujours des masques plutôt à l'argile verte, etc. pour le sébum, l'excès de sébum, etc. Sauf que là, je vais avoir besoin d'hydratation. Il a l'air bien. Je l'ai jamais testé celui-là, mais il a l'air... Je suis trop une curieuse, hein, moi. Je peux pas attendre de le tester, faut que je voie comment est-ce que ça se passe. Il sent vraiment la crème. C'est drôle, on dirait vraiment une crème hydratante en fait. On dirait. Je me suis pas trompée quand même. Masque réhydratant apaisant. Ouais, non, c'est un masque hydratant. Oui, de l'huile essentielle d'arbre à thé parce que c'est devenu un indispensable et que c'est. Ça a des vertus de dingue, l'arbre à thé, titri. Je voulais absolument pour là-bas parce que ça soigne n'importe quoi, enfin, que ce soit les petites infections de la peau, les boutons, tout et n'importe quoi. Il suffit d'aller lire un petit peu ce que vous pouvez faire avec un arbre à thé. C'est une lotion de chez Nuxe Bio à l'eau d'orange et c'est une lotion anti-pollution détox. Donc quand on habite dans une grande ville, ça peut être pas mal de tester ce genre de produit en plus. J'ai vraiment envie de le tester. Ah, moi j'aime beaucoup, vous savez à quoi ça me fait penser? Mais de ouf, ça me fait penser à l'odeur de l'arnica. Est-ce que vous connaissez? Si vous avez des petits frères, des petites sœurs ou si vous êtes déjà maman, vous connaissez l'arnica, absolument. Ça me fait vraiment penser à ça. Bon, ça à l'orange, mais ça me fait penser à cette odeur-là. Qu'on est pas mal. Maintenant, du coup, il me reste plus qu'à faire ma valise. Mais ça, c'est pas pour aujourd'hui. Je vais peut-être aller au sport en fin de journée, là. Je me tâte. Normalement, je vais tout le temps au sport, mais là, j'ai plus envie de profiter de ma famille, etc. Donc, je sais pas trop. J'ai vraiment l'impression de parler à une copine, là. Comme si je vous parlais, que vous pouviez me répondre et tout. Mais pas du tout. Bref, merci. Et puis, on se retrouve juste après. Ou demain. Ou je sais pas. À plus. Kikou. Je suis avec mon bébé porc. Mon chien. Bref, aujourd'hui, on est vendredi. Et je suis en train de manger toute seule. Ma mère est partie faire les courses. Parce que dimanche, c'est couscous avant que je parte. Et comme c'est mon plat préféré, elle me fait plaisir. Et moi, je vous ai pas pris avant, en fait. Pourquoi ça? Parce que j'ai rien fait de spécial qui méritait, en tout cas, d'être filmé. Aujourd'hui, en même temps, tu me diras ce que je suis en train de faire maintenant. Ça ne mérite pas non plus d'être filmé. Hier j'ai tourné la vidéo pour Halloween et franchement j'ai passé toute la journée, mais c'est surtout sur le montage. C'est une vidéo ASMR, mais là j'ai essayé de faire un truc un peu différent que j'ai pas trop vu sur YouTube, donc j'espère que ça vous plaira. Bonne franquette, comme ça on est en train de manger ensemble. Oui, je suis en train de manger, mais vite fait. Je sais même pas quelle heure il est. 14h passées même, merde. Bon, c'est pas grave. J'ai faim maintenant. Mes valises sont toujours pas faites, ça c'est un truc de fou. Je pars dans 2 jours. De toute manière, je me prends pas trop la tête. Je me dis que, ben, elles seront faites de toute manière avant que je parte. Là, je me suis juste occupée de faire mes trousses et encore que je l'ai fait à la vite fait. Je m'en vais un an et je fais les trucs à la vite fait, mais c'est pour vous dire à quel point je suis une meuf organisée, quoi. J'arrive toujours pas à dormir. Hein. Aujourd'hui, j'ai fait presque une nuit complète, je me suis réveillée que 2 fois. J'ai l'impression d'avoir un nouveau-né. Non, ce n'est juste moi. Putain, ces chaises grincent, c'est chiant, c'est insupportable. Donc je sais pas trop ce que ça va donner au final, ce premier vlog semaine. Mais je pense que j'aurai beaucoup plus de vos choses à vous montrer la semaine prochaine. Pardon, je bois, je mange, je suis vraiment une grosse dégueulasse. La semaine prochaine, en arrivant à Londres, etc. Qu'est-ce que je voulais dire?
Je pense que dans ma tête, ça ne va plus. Oui, je sais pas si je vais filmer. En tout cas, si jamais je ne filme plus et que c'est la dernière scène, séquence que vous voyez, je vous souhaite à tous de passer une excellente semaine. Merci en tout cas d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que le concept vous plaît et que ce que je vais vous proposer, ça va vous plaire aussi. J'allais dire abonne-toi, mais bon, si t'as envie de me soutenir, de me voir manger la bouche ouverte, clique juste en bas et active la petite cloche pour ne rien louper. Merci encore à tous et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et voilà. Bye.